on ait une procédure de droit commun qui se mette en place et nous attendons avec sérénité cette enquête et surtout, cela n'enlève à rien la détermination de François Fillon pour aller non seulement jusqu'au bout de cette campagne, mais pour faire triompher les idées de la droite et du centre. J'imagine que le camp Les Républicains et le camp Fillon auraient sans doute préféré un classement sans suite. Oui, mais écoutez, quand vous avez un parquet qui s'auto-saisit en moins de 24 heures sur un article de presse qui fait des communications pour informer un certain nombre de non-décisions, où on a des communiqués une fois par semaine, ce qui n'est jamais vu dans l'histoire de la Ve République, on ne s'attendait pas à un classement sans suite. Simplement, aujourd'hui, nous sommes confiants, sereins et surtout déterminés à ce que cette élection présidentielle eh bien, ne soit pas volée, et à ce que les Français ne se fassent pas voler cette élection présidentielle, et surtout qu'on n'oublie pas le bilan désastreux de François Hollande et ses amis.